Je suis l'ambassadrice de la marque Ador, la marque de lentilles. C'est une marque italienne où on a l'ambassadrice معهم توا عندي يعني شو أشهر. وعملت معهم يعني عملنا بدينا جولة بتاعنا حبينا نبداوها في تونس بما انه معناها لا مارك اي بريزونت ان تونيزي دونك معناها نحاول ندعم جهات الكل الفن واوسي معناها لو مارشي تونيزيان وكل شيء. Ador, c'est une marque leader en Tunisie, okay, très bien appréciée par les professionnels de l'optique et les porteuses des lentilles de contact. Les opticiens, comme j'ai présenté tout à l'heure, on est fiers d'avoir une marque qu'on peut considérer comme étant la première marque recommandée par les professionnels à la cadre, qui fait comme à peu près 1,000 ou 1,500 magasins. On a les statistiques, on a 700 magasins qui développent la marque Ador fi Tunis. Sur le plan technique, on a fait les choix, on était très exigeants. Choix de Aymed, donc Aymed c'est un fournisseur italien connu par son niveau d'exigence très élevé sur le plan technique, sur le plan contrôle qualité, surtout contrôle qualité. Récemment, Ador a eu la certification FDA. FDA, c'est les normes américaines les plus strictes dans le monde entier en matière de qualité des lentilles de contact. La lentille est certifiée FDA, vraiment c'est un argument très fort pour les gens qui ont des soucis techniques et un produit certifié. On a quatre gammes différentes, donc quatre prix différents, donc quatre besoins différents. Donc Ador, c'est une gamme complète qui permet de satisfaire un panel de très varié, de clientèle très variée en fonction du budget aussi. Tawa. La priorité était la qualité du produit, on a misé beaucoup sur la gamme, sur la qualité produit. Maintenant, on veut travailler un peu plus sur la notoriété de la marque en Tunisie. On est dans l'ère du digital et c'est très important d'investir et de développer la marque Ador fi Tunis. Et on est très confiant par rapport au futur où Ador est devenue officiellement une priorité stratégique pour le groupe et elle fait partie de nos priorités business fi Tunis.